Bonsoir. Y a quelqu'un qui est en train de m'écouter parmi vous là. On t'a trop pris pour 5 francs. J'ai une rage dans mon cœur ce soir là, vraiment. Je suis sorti, je reviens tout à l'heure là. Un ami m'écrit, il me dit. En fait, il fait dans ce que je fais. Si tu donnes le prix d'un traitement à quelqu'un. Et d'autres personnes que tu as traitées pour la même chose sur ces personnes-là, viennent lui dire qu'avant tu faisais ça moins cher et que c'est à tel prix. Et maintenant la personne revient vers toi et te dit qu'elle ne va pas payer le prix que tu demandes, qu'elle va payer moins que ça. Est-ce que tu vas toujours la soigner? Vous savez ce qu'il lui a répondu, non? On vous prend trop pour 5 francs. Je suis là seulement pour te rappeler. C'est quelque chose que ça peut passer inaperçu. Hein. Tu peux être là, tu vis comme ça, comme les blagues. On te prend pour 5 francs. Tu te bats, tu essaies un peu de remonter, tu dis non, non. 1 mois, 2 mois. Le troisième mois, on te prend encore pour 5 francs. Hey. C'est comme les enfants à la maison, non? Si tu as l'enfant, tu parles à l'enfant chaque jour. Fais un peu 5 jours, tu ne checkes pas l'enfant là, tu vas voir. Tout ce que tu as donné comme règle à l'enfant, il va oublier. Il va oublier. Sans te prendre le même pour son ami. Elle va faire quoi? Tu vois, quand tu parles là, je vais te taper, hein, je vais te taper. Il t'a mis avec moi. Écoutez, rentrez dans la phase d'action. Le degré que je suis en train de devenir, je suis en train de me transformer. Je sens que je suis en train de me transformer. Je sens que mon ADN est en train de changer. La moitié de la dernière partie de 2022, on m'a tellement dit que je suis égoïste. Tu ne peux pas savoir le nombre de fois où j'ai entendu ça. Et ça me plaît parce que vous venez voler mon énergie. Vous venez déstabiliser mon cœur. Je mets mes organes et mes poumons sur vous. Tu prends quelqu'un, tu le conseilles, tu la conseilles. Que non, ma fille, fais comme ça là, fais comme ça non. Une jeune fille est venue comme ça l'autre jour. Aïe, kéréké. Quand vous êtes gentil avec vous là, vous pensez que elle arrive à Douala, elle me supplie pour la consultation. Elle paye la consultation express, elle s'assoit. Je laisse ce que je suis en train de faire, je lui parle. Je lui dis, attends, quand j'arrive au Cameroun, je vais faire ton travail. J'arrive, je la lave, j'enlève les démons sur elle. Elle rentre, elle dit, ah maman, je suis contente. Je vois les trucs sur son enfant, il dit, reviens avec ton enfant ici. Accrédite s'il te plaît, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Elle revient avec sa fille, lave, c'est le 2 jours plus tard qu'elle envoie l'argent de sa fille. Maintenant, elle lui donne le prochain travail qu'elle doit faire. Et je lui dis, moi, généralement, je ne prends même pas. Tu n'as pas l'argent cash, ne me contacte pas, ne me dérange pas. Elle commence à envoyer l'argent, elle divise l'argent en 3 pour envoyer. Elle envoie la première partie, elle envoie la deuxième partie. J'ai tapé mon enfant et mon oncle s'est cassé sur elle qui a fauté tout à l'heure. Elle envoie 2 parties d'argent en 3 ou 4 jours, je ne réponds pas à ses messages. Elle commence à se fâcher. Hein, si tu ne veux plus me répondre, tu me dis, hein, comme ça pour me rembourser. J'ai dit, hein? Ma chérie, take your money. Take your money. La compassion ou la gentillesse n'est pas la faiblesse. Et moi, je mets souvent mes règles, mes lois que je mets. Après, je reste souvent ça, je dis, ah, ouais. Mais les gens que tu dis, ouais, sur eux là. Les gens que tu dis, ouais, sur eux là. Quand demain on te parler, tu vas rester comme ça là. En anglais, on dit de extra way. Je n'ai pas pris le extra mal pour quelqu'un. Si je suis couché ici là, je suis confortable, tu me dis que pousse-toi un peu. Et je vois qu'en me poussant, je serai mal à l'aise pour que tu t'asseyes. Je dis, non, il n'y a pas la place sur ma chaise.
Tu veux pas, tu laisses. Tu vas venir sur mon canapé pour, ça, pour appuyer mon canapé pour que la mousse entre dedans. J'ai dit non, je te donne le contact. Va, appelle les gens là. Je te donne deux agents immobiliers. Ils vont te chercher la maison. Tu ne veux pas, tu laisses. Tu ne veux pas, tu laisses. Merde. Depuis deux jours, je vois une qualité de wonderful, de manque de respect là. J'ai dit, ah. J'ai un collaborateur, quand il voit comment je suis devenue soft, il dit que madame, moi je ne vous reconnais même pas. Bah, c'est que vous, on veut déjà des restes là, renvoyer. Déjà des restes là, pop, rembourser, bloquer. Rembourser, bloquer le client directement. Tout signe de faiblesse. La gentillesse, c'est la faiblesse. Il vous a dit, tu vas être gentil, va faire tes dons. Cherche, va chercher une association caritative. Tu donnes ton argent là-bas. Tu n'attends pas que les gens qui aident au Kazakhstan ou bien au Kenya vont te... Oh, merci Jocelyne. Non. Essaie un peu d'aider. La dernière fois où tu as aidé quelqu'un autour de toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez payer pour vos services. Tu as besoin d'une ménagère. Ne prends pas ta cousine ou ta nièce, tu la mets chez toi. Cherche la ménagère. Paye. S'il faut payer 70 000, 100 000, paye la ménagère. Tu sais que tu rentres, tu vois quelque chose n'est pas en place. Tu parles, tu grondes. S'il faut renvoyer, tu renvoies. Parce que vous vous amusez avec les gens, on s'amuse avec vous. L'économie de 100 000, tu sais ce que ça va te coûter? Manque de respect. Je suis tombée sur le TikTok d'un monsieur là, ça m'a plu. Il s'appelle le milliardaire Batunet. Je dis qu'un jour, je vais envoyer le champagne à l'homme là. J'ai vu ça. J'ai regardé trois de ses vidéos comme ça. J'ai dit, je crois que c'est dans le sang de Batunet. Oui. Quand il parle ça, le goût, j'ai dit, c'est bon. J'ai vu une de ses histoires raconter que une femme a pris sa cousine chez elle. Sa cousine devient la deuxième femme de son mari. Et elle ne sait même pas. Parce que sûrement, elle disait que ouais, tu vas aller payer la chambre à 25 000. Viens chez moi une fois, non. Peut-être dans sa tête, à l'arrière de sa tête, elle se disait que ma cousine, tu vas m'aider avec les enfants. Ma cousine, tu vas m'aider avec les enfants. Ma chérie, cherche que quand tu payes, même si tu payes 5 000 la journée, on s'occupe de tes enfants. Tu rentres, on n'a pas mis un habit comme on veut, tu veux sur l'enfant, tu bavades. Dans notre contrat, tu es censé faire quoi? Ça, non. Tu n'as pas fait pourquoi? Je te paye, ma chérie. Je te paye et j'exige bien que tu me rendes un service. L'argent est bien. Capoum. Si je... Quelqu'un m'a manqué de respect avant-hier. Me manquer de respect. Un petit que j'ai pris, voulait, il me manque de respect. Je le regarde comme ça là. À la fin de son manque de respect, il dit, ouais, s'il te plaît, tu peux me donner l'argent pour payer mon transport. Il dit que, hey, il demande que, votre part d'arrogance de vantardise là, ça se passe comment? Moi, dans ma vantardise, j'ai mes principes. J'ai mes principes. Même si je t'aime. Je dis que tu es mon gars, je t'aime. Je reste, ça me fait mal. Oui, ça me fait mal. Il n'y a pas de problème. Le cœur va guérir. C'est quelle douleur que je n'ai pas encore connue dans ma vie. Tu as déjà accouché, non? Tu as déjà accouché, non? Si ça dépasse les contractions, tu laisses. Si tu as traversé les contractions, tu as accouché un, deux, trois enfants. Tu n'es pas morte. Qu'est-ce que c'est? Mais vous savez,
Et tu crois que je vais te donner l'argent là pour me sentir bien? Pour me sentir bien? Je vais prendre l'argent et pas dépenser quelque part. Je paye mon voyage, je pars à Dubaï. Il part dans un bon hôtel là-bas, il passe même 2 jours. L'autre là va me faire me sentir bien. Je dis souvent que le shopping est. Tu vois, le shopping, c'est un bon calmant. Vous avez laissé qu'on vous prenne pour 5 francs. Et la vie va toujours te tester. La vie te testera toujours. La vie va te tester. C'est un peu comme l'enfant. L'enfant va te tester. Tu n'es pas ferme, tu laisses un peu, il prend. Même si tu le tapes aujourd'hui, le lendemain, il te teste encore. Ton ami se lève, il oublie que tu as fessé son corps la veille. Il oublie que tu l'as bastonné correctement. Coup de mémoire. Il teste encore. Il teste. Tu dis, réveille-toi à 5h. 6h30, tu le trouves sur le lit. Oh. Oh là là. Tu veux me tester? Je vais mettre mon réveil, je vais me lever, je vais te taper avant qu'on dorme. Certains d'entre vous ne savez pas que vous êtes en train de forger le caractère de vos enfants. L'enfant fait ça une semaine, après toi tu es fatigué, tu dis, ah, fais comme tu veux, c'est ta vie. Hein. Et je t'assure, quand tu seras sous mon toit, tu vas te ranger. Quand tu seras dans mes alentours, dans mes environs, tu vas te ranger. Vous croyez que c'est pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a des gens avec qui on ne blague pas? Il y a même les choses qu'on n'ose pas demander à certaines personnes, mais on ose venir te demander. J'ai dit qu'il y a des choses que la bouche de certaines personnes ne te peut même pas s'ouvrir pour demander ailleurs. Mais toi, on vient, on te demande. Donc même avant que tu dises non, hein, qu'on a quand même demandé. It should not be so. It should not be so. Never. Never. Oh. Ma chérie, quand tu sois avec un homme, il se met devant toi, tu te demandes l'argent. Même avant que tu dises que non. Il a fumé quoi? Il a fumé l'air. Parce qu'au départ, tu étais là, ah non, il n'y a pas ça, je vais acheter. Non, tu dis, non, je vais laisser, je vais faire. Il reste à la maison 2 mois. Tu ne lui dis pas que paie le loyer. Où est ta participation du loyer? On va préparer, il rentre le soir, tu es préparé. Là, il s'assoit, il mange. Il n'y a pas la viande aujourd'hui. Il n'y a pas la viande. Ça fait 2 semaines, il ne sait pas, il n'a pas déposé 5 francs sur la table. Quand il rentre chaque jour, il voit, il y a la nourriture dans la marmite. C'est nous-mêmes là qui laissons qu'on nous dérange. C'est nous-mêmes qui laissons qu'on nous dérange. C'est nous-mêmes qui laissons qu'on nous dérange. J'ai visité une dame aujourd'hui. Elle me dit, elle est célibataire, elle a tous ses enfants, sont un grand. Elle vit seule chez elle. Elle a un duplex. Donc, elle a mis certains locataires en haut. Elle vit en bas, elle. Elle dit, ouais, tu sais, moi, je dis à mes enfants, tu vas chercher un homme, tu supportes avec lui parce que les charges aujourd'hui, c'est trop. Les factures aujourd'hui, c'est trop. Donc, quand elle parlait, j'imaginais un peu sa fille dans le mariage ou bien dans la relation avec un homme. L'homme peut-être. Et je demande à la matinée que, et si l'homme-là ne fait rien? Tu te mets avec quelqu'un, tu calcules quelque chose derrière la personne. Tu ne sais pas que la personne a ses intentions derrière. Te voilà. Tu fais comme ça, là, il fait sa part. Tu fais comme ça, là, il fait sa part. Entre-temps. Oui, Alexis, tu vas acheter le vin que tu vas mettre dessus, non? Pas le vin de 2000. Entre-temps, c'est toi qui paies le loyer. Entre-temps, c'est toi qui fais tous les trucs à la maison qui a fait financièrement, c'est toi. Je demande à la mère là que. Donc ta fille va rester, elle va supporter parce qu'elle va dire, je suis avec un homme, j'ai espoir qu'il paye les factures avec moi. Je lui ai dit que non, maman.
ma politique et ce que j'enseigne à mes enfants. Bien sûr, ce que tu enseignes, ton enfant va grandir, va choisir ce qu'il veut. On ne force pas l'enfant à choisir quelque chose. Chacun fait son lit, il se couche sur ça. Il dit toujours à mes enfants, je ne vous sortirai pas de votre merde. On fait raison, c'est leur demande que tu as vu qui. On reste ensemble, on fait une semaine, deux semaines, trois semaines. Il demande que tu as vu qui m'a appelé pour demander si tu as mangé. Tu as vu que quand tu as appelé pour dire qu'il veut te parler. Hein? Hein? D'accord. Comprends donc. J'ai dit à la matelle que moi, j'opère mieux quand je suis seule. Parce que tu vas rester, tu vas attendre que... Elle dit que voilà un mur là-bas, que le tuyau s'est cassé, l'eau se verse sur le mur. Bientôt la moisissure va commencer. S'il y avait un homme ici, il allait appeler. J'ai dit, ma chérie, et si tu as lavé l'homme à la maison, il n'appelle pas. Tu vas passer ton temps à stresser, non? Ouais, j'attendais que tu appelles le truc là. Tu n'as pas appelé. Tu rentres le soir à 19h, tu étais au boulot, tu as fait ceci, fait cela. Tu arrives. Tu as déjà appelé les gens là, hein? Non, moi, je t'ai occupé, j'avais ça à faire. Tu es fâché comme ça, là. J'ai dit à la dame que moi, j'ai le concierge ici, là, il fait tout. Je lui donne son extra argent, extra money. J'ai un plombier en plomberie, il appelle le plombier. Pour tous ces coups, ce qu'il me fait pour moi, là, tac, il a son argent de moi que je lui donne. Il a ménagé, elle fait sa part. Si tu vas te mettre avec l'homme parce que tu attends qu'il fasse ça, tu mets ton doigt dans l'œil jusqu'au coude. Tu te mets avec quelqu'un, après il te manque de respect. La familiarité. Au départ, je t'aidais. Je voulais t'aider au départ. Hein. J'ai accepté que tu viennes chez moi rester comme ça là pour 2-3 semaines pour t'aider. J'ai bergé une fois quelqu'un comme ça, non. La personne était chez moi, il me manquait de respect. J'ai observé, j'ai dit, ok. Chez moi, il y a le wifi. Tu rentres le soir, il y a la nourriture, tu manges. Il dit, ah, ok, d'accord. Quand j'ai mis la personne dehors, même internet, la personne n'avait plus. Souvent, il faisait les 5 jours sans se connecter. Oh, la connexion, je n'ai pas la connexion. J'ai dit, ah, ah. Quand tu étais chez moi, tu avais l'internet, tu avais ceci, tu avais cela, n'est-ce pas? J'étais la folle, non? C'était moi la méchante, non? Tu vois, tu te couches. Tu ne sais pas comment on a fait pour payer le canapé sur lequel tu es couché. La télé que tu regardes, tu ne sais pas comment on a fait pour payer l'abonnement. Internet, tu ne sais pas comment on a fait pour payer l'internet que tu es en train d'utiliser. Et toute personne que tu permets dans ton environnement, ce sont les mots de tête, des mots de tête extra. Il faut accommoder la personne. Et les gens sont toujours gentils au départ. Parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Les gens sont attirés par les gens qui sont indépendants. Oh, elle a son petit appartement. Oh là là, elle a la voiture. Elle met le carburant dans sa voiture. Voilà, les enfants partent à l'école. Elle a sa petite vie. Personne ne va se mettre à côté de toi. Toi aussi, comme on ne t'a jamais, ça fait 6 mois qu'on ne t'a pas touché. Et voilà. Je comprends pourquoi les blancs ont inventé le vibro, ma soeur. Ça ne va pas la blanche, je pense, en vibro, ma soeur utilise. Je ne recommande pas la masturbation. Spirituellement, la masturbation n'est pas bonne pour le corps de quelqu'un. Ça ouvre les portails maléfiques. Donc voilà. La personne vient. Première semaine, tu apportes le petit déjeuner au lit. Tu crois que la deuxième semaine, il va apporter ta part. Le jour où tu n'apportes pas, tu ne m'as pas apporté à manger. Je dis pourquoi. On t'a pris pour 5 francs. Tu as accepté. Tu as digéré. C'est pour ça que ça continue.
prends la décision, tu dis, j'ai décidé que je vais changer en 2023. Il ne veut plus. Commence d'abord par ton environnement. Là, il dit que quand tu es choisi, tu dois comprendre que ton revenu est en fonction de ton énergie. Même si tu es salarié. Donc, tu ne peux pas t'amuser avec ton énergie. En anglais, on dit « you cannot afford ». Tu ne peux pas te permettre de laisser qu'on s'amuse avec ton énergie. Souvent, quelqu'un t'a promis de faire quelque chose, il ne fait pas. Le fait qu'il n'ait pas fait la chose, ça te fait stresser, tu te fâches, tu passes dimanche soir de 14h à 20h. Il y a les nerfs de ça dans ton cœur. Je parle parce que nous, les femmes, c'est là, on prend trop les choses à cœur. De 14h à 20h, c'est dans ton cœur. Tu ronronnes, tu es sur WhatsApp, tu parles aux gens. Pardon, regarde ce qu'il m'a fait. Regarde. Avec les 6 heures de temps, là, tu peux savoir ce que tu aurais pu faire. Tu veux imaginer ce que tu aurais pu faire en 6 heures de temps? Michel, open the door. Sonne une fois. Nawedi. Si te font du mal et tu acceptes, c'est toi qui as accepté. Parce que généralement, tu penses que tu ne mérites pas plus. Et c'est ça votre problème. Bonsoir madame. J'allais appeler chez vous là-bas pour demander que c'est que ça. Comment avez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Elle est venue un jour, elle est rentrée. C'est elle que j'attendais. On l'a kidnappée. Aïe. Oui. Donne-moi le plat, je vais manger. J'ai demandé la nourriture depuis 14h. Ça arrive à 17h. Je ne sais pas moi là où elle est partie acheter la nourriture. C'est sûr qu'elle a eu les problèmes avec ma route. Les commandes. Je vais faire mon direct. Merci. Merci. Comme un texte, je prie. Vous Nike. Je dis que vous mangez la Nike. Même mon plat, il n'y avait même pas. Mes gens sont en train de m'écouter ici là. Vous allez, je vais manger en vous parlant, mais moi je ne veux pas arrêter mon tête. Moi je vous demande que je suis fatiguée. On prend les gens pour les 5 francs. Et c'est nous les femmes, ceux qui souffrons beaucoup. Je bénis ce repas. Michel, come and bring me something here. Comment la moustache? Merci. Vous n'avez pas lavé l'ongle aussi? Je suis rentrée, elle est tapée. Ça a cassé mon ongle. Je veux le manioc, le manioc là-bas sur le feu. Viens faire mes ongles aujourd'hui. Je l'ai tapé aujourd'hui. Ah. Hey, est-ce que moi je blague avec mon enfant? Ça vous amuse avec vos enfants. Demain, quand ils vont vous dépasser, vous allez commencer à dire wow, wow. Ta mère ne te fouettait pas quand tu étais petit. Non. Elle ne te fouettait pas. À son âge, là, comme c'était des dialogues. Je dialogue pas avec l'enfant. Il y a l'autre là-bas. Ce n'est pas ceci. C'est sous le feu. Oui. Non, mais il y a grand. On dialogue quoi? Même à 18 ans, je vais la fouetter. Est-ce que moi, je blague? Il faut que je parle, je ne comprends pas, elle va me voir. Dialoguez avec vos enfants, mais dialoguez. Avant mayonnaise, please. Mayonnaise. Quand les parents viennent me voir que je reçois leurs enfants, je vais voir d'abord que le youth take this out. On m'amène l'enfant de 17 ans. Je demande que tu t'appelles l'enfant si. Elle dit non.
J'avais vraiment hâte de manger, donc vraiment, ceux qui peuvent attendre qu'il ait fini de manger, et même manger en parlant, si vous ne pouvez pas attendre, vous partez. Thank you. This is for you. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on se laisse facilement berner. On attend que vous terminez. Non, fini non. Et que il fait soit la durée de 2 heures. Quelqu'un est dans ta vie. Il y a une raison que tu attends qu'il discipline l'enfant. Il ne discipline pas l'enfant. Celui-même, il sait que ce qu'il fait là n'est pas bien d'abord. Tu vas se mettre devant l'enfant pour parler. Il va dire quoi l'enfant? Parfois, là, il ment. Il ment tout le temps. Quand l'enfant ment, il va venir gronder l'enfant. Et nous-mêmes, on a trop accepté les choses. C'est nous-mêmes qui acceptons les choses. Ne sèche pas le tout, non. Sèche seulement en bas, d'abord, tu fasses en bas. Je vous connais avec les inbox, vous me faites des messages inbox tout le temps. Oh, j'ai dit que telle chose. Et personne ne va te relever si toi-même tu ne te lèves pas. Personne ne va te donner l'argent. Parfois, je demande aux femmes qui me contactent, mais attends un peu. Depuis 3-4 ans que tu es là-bas, tu souffres. Qui est derrière pour te l'argent pour te dire que ma chérie, prends ça, tu déménages avec. Au contraire, c'est même toi qui travailles, l'argent, il prend. Tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Tu me dis en inbox, oh marraine, marraine. Pardon, j'ai juste à excuser ma vie. Vous aurez toutes des tentations. Et je vous ai dit que la vie va vous présenter des situations qui seront comme l'enfant qui te tente. Tu dis non à l'enfant aujourd'hui, demain il vient encore tester. Celui qui m'entend, il entend. Celui qui n'entend pas. Vous allez venir me parler avec les pleurs. Parfois, vous me dites, bon, ma mère était simpleton jusqu'à... Après, tu portes encore tes choses, tu peux dire à la même mère. Là. Je dis, mais tu es folle. Toi qui es folle.